Info 243 au cœur de l'actualité. En direct du ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, de quoi assister, bongo na remise, il y a passeport diplomatique, il y a le premier ministre Yamboka na biso Congo Azala qui est assassiné en 1961, Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, la République a organisé cérémonie moko juste pour réhabiliter cet homme Azala qui est assassiné. Suivons cette activité. Hymne national. Les invités. La cérémonie de ce matin est consacrée à la remise solennelle du passeport de son Excellence Feu Emery Patrice Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, à sa famille. Aujourd'hui, pour notre ministère, c'est une journée mémorable, inoubliable. Notre ministère est honoré d'être associé à ce processus qui a été négocié par la famille du premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national, Patrice Emery Lumumba, afin que finalement notre peuple, ses dirigeants, son président de la République, son parlement et son gouvernement puissent enfin témoigner de leur reconnaissance à notre héros national et les pleurer dignement. Pratiquement 61 ans après son lâche assassinat, le 17 janvier 1961. Oui, un honneur et un privilège historique, parce qu'il y a plus de la moitié d'un siècle, plus de 60 ans, personne ne pouvait l'imaginer. Parce que ce n'est pas donné aussi à tous les services publics d'être associés à ces hauts niveaux. Nous en sommes fiers et nous devons capitaliser cet instant historique par notre travail au service de la nation, comme l'a voulu Patrice Emery Lumumba lui-même. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de le pleurer et de perpétuer sa mémoire, réaliser son idéal pour le bien de notre peuple aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même s'est même déjà rendu au village natal de Lumumba, là où se trouve, comme on dit chez nous, enterré son cordon ombilical. Merci beaucoup aussi à la famille Lumumba, représentée ici par son fils aîné François Lumumba et un de ses enfants, parce qu'il n'est pas l'aîné, Roland Lumumba. Nous vous saluons chaleureusement, fraternellement, et nous vous exprimons toute notre gratitude. Je voudrais, parce que c'est officiel, au nom du président de la République, au nom du gouvernement, procéder ce jour, comme de règles et d'usages en la matière, vous remettre le passeport diplomatique de notre héros national, de notre premier ministre, pour tout dire, de notre papa, parce que la plupart d'entre nous ici, quand il était au service de la nation, nous étions encore ses enfants. Je vous prie de venir prendre ce passeport.
François Lumumba, Roland Lumumba, au nom du président de la République, au nom du gouvernement de la République, je vous remets, en tant qu'ayant droit légitime du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, héros national, son passeport diplomatique, qui est ici. Afin que vous puissiez, conformément aux règles, finaliser, faire aboutir la procédure de rapatriement de sa relique. D'une façon responsable et digne. Au nom de la famille, je vous remercie. Ils pourront se placer au hall juste pour une photo des familles. Merci. Info 243 au cœur de l'actualité.